Europe 1. Il est 8h05, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu Noël ce matin dans la presse, un dossier sur le lien entre nouvelles technologies et performance cérébrale qui confirme ce que vous pensiez quand vous n'avez pas d'idée de chronique. Ce n'est pas votre faute. Bien sûr que non, Patrick, ce sont d'éminents neurologues qui le disent. Si parfois l'inspiration n'est pas au rendez-vous de mon génie, pourtant insolent, ce n'est pas de mon fait, non. Les coupables tout désignés, vous les connaissez, Vincent, ils sont partout. Les communistes et leurs alliés soviétiques. Non, non. Les smartphones, Vincent. C'est vrai que les cocos pullulent, mais moins que les iPhones, qui selon donc ce dossier du Parisien, en sollicitant perpétuellement notre attention, perturbent l'activité cérébrale et nuisent à notre mémoire. Dont acte, il arrive désormais que même les plus brillants d'entre nous se noient dans des phrases inutilement alambiquées. Est-ce qu'un discours de droite qui se pare des atours de l'extrême droite, c'est la droite et ça fait gagner la droite, ou c'est déjà autre chose, l'extrême droite. Il peut formuler comme ça, Hélène, j'en sais rien. C'est du Raphaël Antonin. Une chose est sûre, à Europe, on est très sensible à ces problématiques entre nouvelles technologies et capacités cérébrales, car les nouvelles technologies, c'est vraiment notre dada. Toujours un coup d'avance pour être notre slogan, notamment grâce à Axel de Tarlé, qui vient donc de découvrir en avril 2018 l'ampleur du marché du streaming. Après son enquête sur les progrès du téléphone portable en janvier, pour Axel, c'est vraiment scoop sur scoop. Mais parce qu'il faut quand même le reconnaître, les téléphones portables font maintenant énormément de choses. On fait beaucoup plus que téléphoner. Alors on peut prendre des photos, écouter de la musique, ça fait baladeur, ça fait Walkman. Oh, vivement l'an 2000! Et dans ce futur qui s'annonce où les téléphones feront Walkman, ce sont nos cerveaux qui risquent donc de trinquer. Trop assistés par les smartphones, ils manqueraient d'exercice. Et c'est vrai que, réflexion faite, Patrick Cohen passe beaucoup de temps sur son smartphone. Ah bon? Mais pas autant que Philippe Vandel, ce qui explique que lorsque ces deux-là se rencontrent, les pires inquiétudes des neurologues se trouvent confirmées. Philippe Vandel, c'est à vous, Village Média. Je viens d'avoir un choc culturel. Je viens de découvrir qu'il faut dire peiné rigaté. Moi, ça faisait 20 ans que je disais des peiné rigates. Vous nous faites de la peiné, hein. Vous nous faites de la peiné, tragique illustration de ce qu'expliquent ce matin dans Le Parisien les spécialistes. Pour un cerveau sain, bien dormir est primordial. Patrick dort 4h30 par nuit, c'est QFD. Ouais. Attention, trop dormir n'est pas bon non plus. Au-delà de 15h par jour, comme le Shetland à poils longs chez l'animal et Doc Gynéco chez l'homme, de graves troubles peuvent survenir également. Et j'aime aussi l'idée de Einstein. Comment il s'appelle, Einstein? Oui. Oh, ça doit être ça, oui. Mais des fois, je traîne trop en bas et je commence à... Comment fait le mouton? Il belle. Un signe doit vous alerter. Quand vous avez besoin de l'intervention d'un journaliste pour vous souvenir du nom de votre fille, pensez à consulter. J'ai une fille qui s'appelle Jérusalem. Et une autre fille qui s'appelle Jeanne. Vous voyez, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, les smartphones ne sont donc pas seuls en cause. HTC a sa part de responsabilité, mais le THC aussi. Alors les amis, un conseil, déconnecté. Je vous laisse. Laurent, un dernier mot sur la vie, comme elle va? C'est pas plus mal que si c'était mieux. C'est ça d'être resté au Minitel. On a quand même les idées plus claires.